C'est avec une grande joie que nous vous accueillons en ce troisième jour de notre neuvaine en l'honneur de la croix glorieuse. Aujourd'hui encore, nous nous rassemblons pour méditer sur le mystère de la croix, ce signe de notre rédemption, qui nous rappelle l'amour infini de Dieu pour chacun de nous. Que le Seigneur nous accorde, en ce jour, la grâce de pénétrer plus profondément dans le mystère de son sacrifice et de découvrir dans nos propres vies la force et la lumière de la croix. Puissions-nous, en méditant ensemble, être renouvelés dans notre foi et notre espérance. Entrons dans ce temps de prière avec des cœurs ouverts et disponibles, prêts à recevoir tout ce que Dieu désire nous offrir aujourd'hui. Jour 3. La croix, instrument de paix. De la lettre aux Éphésiens. Car il est notre paix, lui qui des deux noms n'a fait qu'un, en détruisant le mur de séparation, l'inimitié, dans sa chair. Il a anéanti la loi avec ses commandements et ses prescriptions, afin de créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau, en établissant la paix, et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Parole du Seigneur, nous, nous rendons, rendons grâce à, 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 Dieu. à Dieu. Dans ce passage, l'apôtre Paul nous rappelle la puissance unificatrice de la croix. Le Christ, par son sacrifice, a détruit ce qui nous divisait, abolissant la haine et l'inimitié. Cette réconciliation s'étend à tous, unissant ceux qui étaient autrefois séparés, que ce soit par la loi, la culture ou toute autre barrière humaine. En réfléchissant sur ces versets, nous sommes invités à contempler la croix non seulement comme un instrument de souffrance, mais comme un symbole de paix et de réconciliation. Le Christ, dans sa chair, a porté nos divisions pour que nous puissions vivre dans l'unité. La croix devient alors le point central où nos différences sont réconciliées et où la paix véritable peut être trouvée. Dans notre vie quotidienne, nous expérimentons souvent des divisions et des conflits entre familles, amis, communautés et nations. Ces murs sont souvent construits à cause de la méfiance, de l'orgueil ou de la peur. Mais Jésus nous appelle à dépasser ces barrières, à entrer dans la paix qu'il a instaurée par son sacrifice. Il nous offre une nouvelle humanité, où la réconciliation et l'unité sont possibles. Amen. Prions. Seigneur Jésus, toi qui es notre paix, nous te prions pour qu'à travers la contemplation de ta croix glorieuse, nous apprenions à briser les murs qui nous séparent. Que ton Esprit Saint nous inspire à tendre la main à ceux que nous considérons comme autres, et à travailler pour la réconciliation et l'unité dans nos familles, nos communautés et dans le monde entier. Par ta croix, donne-nous la force de bâtir des ponts de paix et d'amour. Amen. Aude à la croix glorieuse. Aux croix glorieuse, bois sacré, symbole d'amour et de paix, c'est en toi que tout se révèle, mystère divin, éternel. Sur tes, tes bras tendus au ciel, le Christ, en sacrifice éternel, a offert sa vie, son, son cœur, pour sauver le monde en douleur. Ô croix, toi, toi qui fus un bois d'infamie, aujourd'hui tu es, es gloire infinie. Là où le sang du Fils coula, la grâce pour tous s'y dévoila. Tu es l'arbre de vie, planté en terre, où fleurit l'amour pur et sincère. Dans tes ombres saintes, nous trouvons le pardon, la foi, la Rédemption. Croix glorieuse, signe d'espérance, tu nous guides vers la délivrance, nous rappelant l'immense prix que Dieu paya pour nos esprits. Au bois béni, au Sainte Croix, nous t'adorons, plein de foi, portant, portant en nos cœurs, cœurs le souvenir du Christ vainqueur, qui va revenir. Gloire à toi, Croix, croix du Sauveur, tu es la lumière, le, le réconfort, réconfort, dans tes bras, nous, nous trouvons, trouvons la vie, Croix, croix glorieuse, nous, nous t'acclamons, Aujourd'hui et à l'infini. Litanie de la croix glorieuse. Seigneur, ayez pitié de nous. Seigneur, Seigneur ayez pitié, pitié de nous. Christ, ayez pitié de nous. Christ, ayez pitié de nous. Seigneur, ayez pitié de nous. Seigneur, Seigneur ayez pitié, pitié de nous. nous. Christ, écoutez-nous. Christ, exaucez-nous. Père céleste, Dieu, ayez pitié de nous. Fils Rédempteur du monde, Dieu, ayez pitié de nous. Esprit Saint, Dieu, ayez pitié de nous. Sainte Trinité, un seul Dieu, ayez pitié de nous. Sainte Croix, instrument de notre salut, ayez pitié de nous. Sainte Croix, sur laquelle le Christ a vaincu la mort, ayez pitié de nous. Sainte Croix, source de notre espérance, ayez pitié de nous. Sainte Croix, signe de la victoire du Christ, ayez pitié de nous. Sainte Croix, clouée au sommet du Golgotha, ayez. pitié de nous. Sainte Croix, gloire de l'Église, ayez, ayez, ayez pitié de nous. Sainte Croix, terreur des démons, ayez pitié de nous. Sainte Croix, forteresse des martyrs, ayez pitié de nous. Sainte Croix, Soutien des opprimés, ayez, ayez pitié, pitié de nous. Sainte Croix, lumière des fidèles, ayez, ayez pitié, pitié de nous. Sainte Croix, refuge des pécheurs, ayez, ayez pitié, pitié de nous. Sainte Croix, consolation des affligés, ayez, ayez pitié de nous. Sainte Croix, gage de résurrection, ayez, ayez pitié, pitié de, de nous. Par ta croix glorieuse, ô Jésus, sauve-nous Seigneur. Sauve Seigneur. Par ta passion et ta croix, sauve-nous sauve Seigneur. Par ta mort sur la croix, sauve-nous sauve Seigneur. Par la Sainte Eucharistie, mémoriale de ta croix, sauve-nous sauve Seigneur. Par les mérites de ta Sainte Croix, sauve-nous sauve Seigneur. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, pardonne-nous Seigneur. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, écoute-nous Seigneur. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, ayez, ayez pitié de nous. nous. Nous t'adorons au Christ, et nous te bénissons. Parce, parce que, que par ta, ta sainte croix, croix tu, tu as, as racheté, racheté le, le monde. monde. Prions. Seigneur Jésus-Christ, nous te rendons grâce pour le don de ta croix, par laquelle tu nous as rachetés et nous as ouvert les portes du ciel. Accorde-nous de porter chaque jour notre croix avec amour, en union avec toi, et d'être dignes de partager un jour la gloire de ta résurrection. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Prions ensemble la prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous, nous laisse pas entrer en tentation, tentation mais, mais délivre-nous du nous mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Seigneur, Fais de moi un instrument de ta paix. Que je puisse, par la puissance de ta croix, réconcilier et unir ceux qui sont divisés, et apporter ta paix là où il y a conflit. Terminons ce troisième jour de neuvaine avec le refrain du chant aux Croix glorieuses, interprété par Angélique. Oh, croix toi, par toi Jésus, nous ouvre la gloire, ton moi sacré, l'instrument du salut, nous guide vers la lumière absolue. Merci d'avoir prié avec nous. Soutenez notre mission en cliquant sur le pouce, en vous abonnant à notre chaîne et en activant les notifications. Pour plus de renseignements sur notre mission, visitez notre site Web sur http site. Ou suivez-nous sur Facebook sur notre compte Oratoire Sacré-Cœur. Allez maintenant porter l'Évangile au monde!